Nous arrivons d'une contrée lointaine, très lointaine, la Belgique, pour une affaire bien précise de quête de mythes. Et comme le dit notre devise, rien n'est plus important que la passion et l'histoire, mais surtout l'argent, car nous sommes tombés sur une annonce étrange, je dirais même très étrange, qui disait « Celui qui comprendra le dicton trouvera le trésor perdu ». Il était une fois, à fois, des habitants ayant la foi de trouver à la fois une grotte et un cheval parfois. Nous voici donc sur les traces du cheval de foi. En fait, on recherche le cheval de foi. Tu sais où il est? Alors le cheval de foi, j'ai pas, mais le cheval de Troie peut-être. Mais je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens et beaucoup de rapport avec la question. Donc quel type de cheval? De foi. Le foie du cheval peut-être, mais j'ai pas plus quoi. J'ai pas plus à donner, okay. Pas plus d'éléments de réponse. Ouais. Bah du coup on a été mandé à d'autres gens. Ouais, non, flemme, c'est beaucoup trop loin. Par contre, on a vu autre chose d'intéressant. On a vu un château, et qui dit château, bah dit chevalier, et qui dit chevalier, et bah dit cheval. C'est sûrement là qu'il est. Et puis c'est beaucoup moins loin. Mais genre vraiment beaucoup moins loin. En 50. Non. Non, ouais, non, c'est trop cher. Du coup, on s'est dit qu'on allait chercher ailleurs. Non, c'est pas ça. Non, ça non plus. Non, quand même pas, non. Bah du coup, on l'a fait comme tous les touristes. Bah on est à l'office tourisme. Super. Alors, est-ce que vous sauriez où on peut trouver le cheval de foi? Alors le cheval de foi, vous devez sûrement parler de la gravure. Alors c'est tout un mystère en fait qu'il y a autour de cette gravure qu'on ne peut pas voir en réalité, mais qui est bien là et qui éveille la curiosité de tous et toutes. Pas plus d'informations. Fresque ou gravure, peu importe. Qui dit mystère, dit homme mystérieux, dit que du coup on a été voir le curé. Est-ce que vous connaissez l'histoire de la fresque du cheval de foi? Alors j'en ai entendu parler, après je ne connais pas l'histoire dans le détail, et je sais qu'elle existe, et voilà, mais après j'en sais pas tellement plus. Et est-ce que vous savez où elle est? Alors je sais qu'on m'a dit qu'elle était au pied du château de foi, dans une maison, mais je ne connais pas l'adresse, non. D'accord, merci beaucoup. Ça faisait déjà des heures qu'on cherchait désespérément. Notre enquête commença à s'ébruiter. Quand la chance, oui, la chance, nous a enfin souri une lettre anonyme. Mais pas n'importe laquelle. Celle d'un certain... Jean Ferrat Cheval. Tout à fait. Grâce à cette information particulièrement confidentielle, on a pu s'approcher du lieu de résidence d'Ernest Sabot. Un indice de plus, on était sur la bonne voie, moi je te le dis. Ça semblait vide, ce sacré point avait dû déserter les lieux. Notre dernière solution, c'était de nous rendre à la mairie. Comme d'hab dans les administrations, on a été... En haut. En bas.
À gauche. À droite. Et tout ça pour être dans la cour. Ici, on ne pourra pas plus vous aider, mais je pense que vous pouvez aller à l'office du tourisme. Eh ben, nous sommes dans une sacrée merde. Bon, en fait... Ce chevaux qu'on a vu... Bah, c'est ceux-là, quoi. Ça m'a saoulé, il y a un cheval de trois, deux fois là. C'est bon, viens, on rentre, on s'en fout. Vas-y. Bah qu'est-ce que tu fais? Bah on l'a pas trouvé, du coup je dessine et puis on peut le vendre. Ah j'avoue. Ouais. Alors rajoute un peu d'herbe là, en dessous là, c'est sympa. C'est ouais. Ça là? Ouais ouais là c'est bien. Ouais. Carrément la queue tu peux la prolonger un peu là, c'est pénaliste. Voilà, là, c'est pas mal là.